Namasté les amis. Bienvenue, je souhaite vous proposer en ce début d'année une pratique matinale que vous pouvez donc utiliser à votre gré. En yoga, on la nomme une sadhana. Et une sadhana, cela veut dire mener vers un but précis. Notre but étant un mieux-être, autant physique que spirituel. Voilà, donc bonne pratique et puis appréciez. Nous allons commencer debout par un exercice qui se nomme Naoli et qui vient masser et stimuler donc, les abdominaux, les muscles. Et puis, abdominaux et également les intestins paresseux, vider la vessie, voilà, masser l'estomac, etc. Donc, Naoli, il s'agit d'aller amener par une contraction l'abdomen vers l'arrière et légèrement vers le haut, puis de tourner de gauche à droite, donc dans le sens des aiguilles d'une montre par rapport à vous. Alors, je me place de profil, je vous montre. J'inspire. J'expire par la bouche. Voilà, donc j'ai tourné en apnée à vide. Hein. Donc j'ai pris une grande inspire, je l'ai vidé par la bouche en contractant l'abdomen, je l'ai gardé contracté à vide, donc expire à vide, et j'ai tourné. Tout ce que nous allons faire, je peux vous l'expliquer plus en détail dans des cours particuliers et également dans les cours collectifs, toujours en ligne, dans les stages en présentiel. Voilà, donc si vous voulez en savoir plus, contactez-moi. Nous le faisons 3 fois, Naoli. Et pas de bien respirer une fois, deux fois, le temps qu'il vous faut. Si la tête tourne un peu, c'est tout à fait normal. Dès que vous arrêtez l'exercice et que vous respirez normalement, ça revient. Moi, je compte une quinzaine de cercles, on va dire, de mouvements. Pas besoin de se pencher bas et pas besoin de mettre donc les mains basses. Plus vous les mettez hautes sur les cuisses, mieux c'est, avec une pression vraiment bien accentuée. Et gardez le buste assez droit, les buste légèrement penché. Troisième fois. Donc, j'ouvre en grand. J'observe. Voilà, si jamais la tête vous tournez, vous pouvez aussi vous accroupir comme ceci. Continuez à respirer. Très bien. Vous verrez, c'est vraiment merveilleux, ça clarifie bien l'esprit et le corps. À présent, la salutation au soleil. Nous allons faire 6 salutations au soleil classiques.
Donc droite, gauche, 6 fois. Les doigts longs, posture de la montagne. Nous auto-érigeons vers le ciel. Le sacrum plongeant vers le bas. Inspire. Expire. Main jointe à la poitrine. Inspire, tend tes bras vers nous et légèrement vers l'arrière, étire l'avant du corps. Expire, descends au plat et place tes mains à côté de tes pieds, de chaque côté. Recule ta jambe droite. Inspire, pose ton genou vers la tête à demi-lune. Retiens la planche. Expire, genou, poitrine et enfin le front. Inspire. Petit bras, épaules basse. Retourne tes orteils. Expire. Le V inversé ou chien tête en bas. Ramène ton pied droit entre tes mains. Lève la tête. Inspire. Engage le bas. Expire. La fin. Et étire tes bras vers l'avant, vers le ciel. Et légèrement vers l'arrière. Expire. Inspire, expire, main jointe. Inspire, tend tes bras vers le haut et vers l'arrière. Expire, dos plat. Et les mains de chaque côté au genou. Recule ta jambe gauche, pose ton genou, lève la tête, inspire, la demi-lune. Retiens la planche toute droite. Expire en trois parties, pose tes genoux, ta poitrine et ton front. Inspire, épaules basses, redresse le haut du corps. Expire, monte le bassin, engage la tête. Rentre légèrement tes coudes vers l'intérieur. Ramène ton pied gauche, inspire. Ramène ton pied droit, expire. Inspire, étire tes bras vers l'avant, vers le haut et vers l'arrière. Inspire, deuxième cycle, expire, main jointe. Inspire, tend vers le haut et vers l'arrière. Expire, donc là, lapin. Inspire, jambe droite vers l'arrière. La demi-lune. Retiens ton souffle, dépose ton corps en trois parties, genoux, puis poitrine et enfin le front. Fais rouler tes épaules vers l'arrière et vers le bas tes omoplates. Retourne tes orteils, expire, chien tout en bas. Ramène ton pied droit entre les mains, inspire. Ramène ton pied gauche, expire. Inspire, étire tes bras vers le haut et vers là. Expire. Inspire, les doigts longs. Expire, main jointe à la poitrine. Inspire, étire-toi la verticale, puis engage tes bras. Vers l'arrière, ton bassin vers l'avant. Absorbe le nombril, dos plat et enfin pince. Jambe gauche en arrière. Inspire la demi-lune. Retiens ton souffle, la planche. Expire, genou comme une vague, poitrine et enfin le front. Fais bien descendre tes omoplates vers tes talons. Petit cobra, appuie-toi sur l'os pubien sur tes jambes. Retourne tes orteils, monte ton bassin et engage ton ventre vers tes cuisses. Pied gauche, inspire, lève le regard. Expire, lapin. Inspire, si ton dos tire, tu peux aussi remonter de fond. Et relâche. Troisième cycle, inspire, expire. Inspire, tends tes bras vers le haut. Expire, lapin. Jambe droite, inspire, lève le front. Retiens ton souffle, la planche. Expire, genou, poitrine et front. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. Jambe droite, inspire. Jambe gauche, expire. Étire-toi. Et inspire, expire, inspire, rétention, et commence à expirer, et enfin front genou.
Inspire, jambe gauche en arrière. Pose ton genou. Retiens ton souffle. Et expire. 1, 2, 3. Inspire, posture d'ouverture. Expire, posture de fermeture. Inspire, jambe gauche, posture d'ouverture. Expire, fermeture. Inspire, ouverture. Expire, neutre. Nous continuons, quatrième cycle. Inspire, expire. Inspire, étire-toi vers le haut et l'arrière. Expire, lapin. Jambe droite en arrière, dépose le genou, inspire. Retiens ton souffle, la planche. Expire. 1, 2 et 3. Inspire, cobra. Expire. Chien tête en bas ou bien inversé. Pied droit entre les mains. Inspire la douleur. Expire la pince. Debout. Inspire, étire-toi. Expire. Surya Namaskar, la salutation au sol. Expire. Inspire. Ouvre le plexus. Expire. Étire bien tout ton corps. Jambe gauche. Inspire. Retiens ton souffle. Expire, genou, poitrine. Inspire, cobra. Expire. Tiens tête en bas. Inspire, pied gauche. Expire, pied droit. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire, étire-toi vers le haut et l'arrière. Expire, latin. Jambe droite, inspire. Rétention, la planche. Expire. 1, 2, 3. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire, pied droit. Expire, pied gauche. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire, étire d'abord à la verticale, puis vers la. Expire, la tête. Jambe gauche, inspire. Rétention, la planche. Expire, genou, poitrine, front. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire, jambe gauche. Expire, jambe droite. Inspire. Expire. Dernier cycle complet. Sixième cycle. Essayer, si tu es à l'aise, de le faire les yeux fermés. Tu vas mieux entendre ton souffle, le frottement de l'air dans ta gorge. Comparable au bruit de l'océan. Souffle victorieux. Tu écartes légèrement les pieds et tu poursuis ta respiration debout. Paupières closes, les épaules basses, les doigts longs, le sacrum, jambes vers le bas, le sommet du crâne érigé vers le ciel. Laisse couler. Observe. Le cœur.
cœur plus rapide. Observe le prana qui circule, toute l'énergie dégagée par ton corps. Ouvre les yeux. Monte sur les demi-pointes en tendant tes bras devant toi. Et viens t'accroupir. Poser tes mains derrière toi. Poser tes fesses délicatement. Et venir en Shavasana, la posture de détente. Paume tournée vers le ciel. Tout le corps déposé au sol. Inspire. Abdomen. Poumon. Clavicule, expire par le nez également. Resserre tes côtes, contracte légèrement l'abdomen, puis laisse aller. Inspire, paume 1, paume 2, paume 3, paume 4, rétention à plein. Expire, paume 1, paume 2, paume 3, paume 4. Paume 5, paume 6, reste une seconde dans le vide. Et reprends l'inspire par le nez, le ventre souple, les côtes s'écartent, l'air monte dans le haut de la poitrine, une seconde d'apnée à plein. Expire, paume 1, paume 2, paume 3, paume 4, paume 6. Laisse faire ta respiration naturelle. Observe ton énergie qui vibre dans ton corps, tout autour de ton corps. Après cette salutation du matin. Salutation à la vie, en toi, autour de toi. Toutes tes cellules s'ouvrent au matin. À la grâce de la journée. Approche tes pieds. Amène tes bras au-dessus de la tête, inspire, étire tout ton corps comme un élastique tendu. Expire, relâche tes muscles. Bien. Passe par le côté pour venir t'asseoir. Tu peux prendre un petit coussin. Afin d'être à la bonne hauteur pour toi, confortable, et pouvoir t'asseoir en tailleur ou autre posture de ta convenance. Nous passons donc aux exercices finaux, qui sont des exercices du souffle, le pranayama. Pranayama, exercice. D'abord, Kapalabhati, nous allons effectuer 3 cycles. Pour plus de renseignements, d'explications, venez là. Donc, une respiration complète, inspire, abdomen, poumon, clavicule, expire, le fond de tes poumons et débute la contraction sèche à l'expire. Donc, inspire naturel et expire. Pit de 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 pit
respiration complète. Laisse glisser toute tension inutile. Une fois bien vidé tes poumons, inspire aux trois quarts de tes poumons et garde ton apnée à plein. Évoque ton ventre, Manipura Chakra, tout autour de ton nombril, tel un large soleil que tu actives en retenant ton énergie. Évoque ce soleil. Expire. Reprends ton souffle complet. Toujours ce son de l'océan. Et deuxième cycle. Inspire. Expire. Expire sèche. Prends ta respiration complète jusque dans le haut du thorax. Expire long tout le long de ta colonne comme une douche d'air jusqu'au sacrum. Puis bien à vide, reprends une respiration aux trois quarts comme une bouteille qu'on remplit aux trois quarts. Et retiens. Évoque le centre de ta poitrine, telle une fleur qui s'épanouit au matin en exhalant son doux parfum. Évoque sa douceur, son épanouissement. Son exquise odeur. Reprends une respiration complète pour bien réoxygéner. Et troisième cycle. Inspire. Expire. Bien sentir cette contraction abdominale. Tu pourrais imaginer que tu chasses les poussières qui sont sur une feuille sous ton nez. Tu envoies de l'air de façon sèche. Expire. Une, deux, une, deux, une, deux, une, deux, une. À une, on expire. Une. Et l'inspire se fait réflexe naturel. Par contre, l'expire est volontaire. Contracte vers l'arrière et légèrement vers le haut. Ça va venir aussi masser ton diaphragme. Et te détendre. Et relâche. Bien. Bien sûr, petit à petit, tu peux allonger
le nombre d'expire, mais jamais les précipiter. Fais-le lentement. Inspire. Expire. Et à présent, inspire aux trois quarts. Et garde ton apnée à plein. Évoque le troisième œil entre les sourcils. Telle une étoile de guide. Centre de ton intuition profonde, de ton mental clair. Ajna chakra. Et reprends. Oxygène-toi. Encore une fois. Un peu plus grand, un peu plus haut. Donc, expire. Quand tu ressens beaucoup de tension, tu peux aussi expirer par la bouche, volontairement, de temps à autre. Et viens t'allonger en Shavasana pour détendre ton dos, tes jambes. Faire une pause. Observer les effets de Kapalabhati. Laisse aller le flux. Ressens toute l'empreinte de ton corps, tout l'espace, comme si ton corps avait quitté un vêtement trop petit pour entrer dans un vêtement à sa juste taille. Et rapproche tes chevilles, étire tes bras, tes jambes, ton ventre, inspire. Expire, relâche. Passe doucement par le côté. Et réinstalle-toi pour le dernier exercice, Anuloma Viloma. Nous allons essayer de faire comme si tu connaissais déjà et des cycles simples de inspire sur 3 temps, rétention sur 12 temps, et expiration sur 6 temps. Donc ça fait 3, 12, 6. La main gauche, pouce et index, en réceptif, Chin Mudra. La main droite, index et majeur repliés dans la paume pour un contact comme une prise d'énergie. Et nous utilisons donc le pouce, si possible, pouce et annulaire pour faire une pince. Et là, les épaules détendues, basse, inspire, expire, bouge ta narine droite et vide tout ton air par la gauche. Inspire à gauche, au 1, au 2, au 3 et retiens ton air en pinçant tes deux narines, détends le visage, le mental et compte 12 temps. Expire à droite, paume 1, paume 2, paume 3, paume 4, vide vraiment le fond, paume 6. Et inspire, paume 1, 2, 3, retiens à nouveau ton souffle confortablement. Tes deux narines bien bouchées et libère ta narine gauche, 2, paume 3, paume 4, progressivement. Et 6. Nouveau cycle, inspire à gauche, 2, 3 et retiens. Expire à droite, comme 1, comme 2, comme 3, comme 4, comme 5, comme 6. Inspire à droite, comme 1,
en deux, en trois, reviens. Compter aide à fixer le mental sur le point entre les sourcils, à se concentrer. Expire à gauche. 1, 2, 3, 4, 5, le fond des poumons 6. Inspire à gauche. 1, 2, 3, rétention. Tu peux aussi te réciter Om, Om quand tu es à l'aise avec les coudes. Et expire à droite. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6. Inspire à droite. Om 1, Om 2, Om 3. Retiens. Détends le mental. Évoque l'étoile sur ton front. Expire à gauche, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6. Inspire à gauche, Om 1, Om 2, Om 3. Tiens. Om 8, Om 9, Om 10, Om 11, Om 12. Expire à droite, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Om 5, Om 6. Inspire à droite. Om 1, Om 2, Om 3. Retiens. Détends le plus possible. Om 1. Expire à gauche. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6. Inspire à gauche. Termine. 3, retiens. Expire à droite, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6. Inspire, Om 1, Om 2, Om 3. Dernière rétention. Expire à gauche, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5 et Om 6. Laisse reposer tes deux mains sur les genoux, deux mains ouvertes vers le ciel. Respire par tes deux canaux, tes deux narines. Jusqu'au point centre et expire. Sens l'air tiède s'échapper doucement à la base de tes narines. Inspire le prana, l'énergie, la vitalité. Expire, répand ce prana, cette énergie, cette vitalité dans tout ton corps, le long de tes bras, jusqu'au bout des doigts, du sommet du crâne, jusqu'au sacrum, dans ton bassin, tes jambes, jusqu'au bout de tes pieds. Inspire. Apprécie les effets subtils de ta pratique du matin et remercie ton corps, remercie-toi, remercie l'univers pour ce moment. Je suis d'accord. Présent, soit tu peux t'allonger en Shavasana pour te détendre. Complètement.
Si tu as peu de temps, simplement t'allonger, prendre 3 respirations, déposer, puis étire-toi à nouveau, inspire, tends tes muscles comme un élastique tendu. Expire, lâche. Et viens par le côté. Et voilà, je te souhaite une très bonne journée. Joignons nos mains et saluons-nous, nous tous. Namaste.